pour moi, en ce moment, il est 7h40, mais en France, il est 1h40. Là, je viens juste d'arriver chez la mère à mon beau-père. Ça fait à peu près comme une heure là, qu'on est arrivé. Comme vous avez pu voir, j'ai tout défait mes valises, j'ai placé mon linge dans les trucs. Je vais tout vous montrer mon organisation, comment que j'ai tout placé mes affaires tantôt. Là, moi, cette nuit, j'ai dormi à peine 4 heures. Puis, je suis vraiment fatiguée, là, j'ai mes cernes là. Donc hier, si vous avez vu le vlog, je suis partie de chez moi à 8h à peu près. Après ça, on est parti de Saguenay à Québec. Après ça, on a pris Québec-Toronto. Puis après ça, on a pris un vol de Toronto à ici à Paris. Fait que j'ai eu un vol de nuit de Toronto à Paris. Parce que le vol était à 8h45, puis il était un peu retardé. Fait qu'on est parti à 9h45. Puis là on est arrivé ce matin à 10h, mais tu sais comme avec le décalage horaire. Parce que pour nous il était 3h quand on est arrivé. Ben non, il était 4h. Ouais, il était 4h, mais ici il était 10h. Fait qu'en tout cas là c'est vraiment mélangé à cause du décalage horaire. Puis ben c'est pas mal tout, je vais arrêter de parler puis je vais vous montrer mon organisation. Là je vais pas vous montrer toute la maison au complet parce que c'est... Ah, je vous ai même pas dit où ce qu'on était. Je sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit, mais en tout cas, dans le fond, on est chez la mère à mon père. Puis là, je vais pas vous montrer comme toute la maison parce que tu sais, c'est quand même personnel. Je vais juste vous montrer vite vite où ce qu'on va dormir. Mais tu sais, le reste, tu sais, tout qu'il y avait pas que genre, je montre sa maison sur YouTube, puis je comprends ça. Donc, c'est ça, je vais vous montrer où ce qu'on va dormir. Donc, ça va être ici sur ce beau lit avec ma soeur. Elle a tout organisé son linge ici. Puis moi, je l'ai tout mis là-dedans. Pour le premier tiroir, c'est tout ce qui est genre cosmétique, mes affaires pour... Mais en fait, c'est comme tout ce qui est pas linge. Là, tu sais, j'ai charge, j'ai l'adaptateur, lingette démaquillante, après ça j'ai gomme, j'ai mon affaire pour faire mon blanchissement dentaire ici, des hauts, masque pour mes cheveux, puis toute ma grosse trousse. Puis si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai mis comme dans mes bagages, puis ce que j'ai mis dans ma trousse, puis comment je me suis arrangée pour faire ma valise, j'ai mis une vidéo là-dessus. Puis il y a deux parties. Fait que vous pouvez aller voir cette vidéo-là. C'est une longue vidéo. Je pense que les deux ensemble, c'est genre 25 minutes. Fait que si ça vous intéresse, j'ai ces vidéos-là. Ensuite, ici, on a tous mes pantalons. Fait que là, j'ai mes jeans ici, mes pantalons armés, puis tout. Je ne vais pas vous montrer en détail parce que... Comme j'ai dit, si vous avez vu ma vidéo, ce que je vous montre, ce que je mets dans ma valise, ça sert à rien que je vous le remonte tout, mais ici, j'ai mis mes pantalons. Après ça, ici, j'ai tout mis mes polars. Après ça, ça, c'est mon manteau de printemps parce que ici, en France, il fait chaud. Il fait pas moins 30, il fait 10. Après ça, à l'aéroport, ils donnaient une petite couverte comme ça, puis je l'ai ramenée parce que ils venaient genre emballés dans des petits sacs. Je me suis dit qu'ils vont sûrement les jeter si on les laisse là. Puis à la place de l'acheter, ben je l'ai ramené. Après ça ici, j'ai plein de petites cochonneries, de petites réserves. J'ai mes ceintures, ma tuque que je vais sûrement pas avoir besoin parce qu'il fait 10 ici. Donc c'est pas mal ça pour ces tiroirs-là. C'est comme un mini garde-robe. Donc ici, j'ai tout mon linge. Ça, c'est à Madame Sœur. Puis j'ai mon sac d'école aussi parce que je savais pas trop où le mettre, je voulais pas le laisser traîner. Fait que je l'ai mis là, puis c'est ça. Fait que j'ai tous mes chandails ici. Après ça, j'ai mes souliers. Donc j'ai mes bons vieux Adidas bien sales. Puis mes petits Nike. Donc voilà, c'est pas mal tout pour mon organisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi et ma soeur, on va partir dehors. Vous comprenez pas à quel point c'est beau, genre le village. C'est tout fait en roche, en pierre, puis comme... C'est vraiment beau, je vais vous montrer. Salut tout le monde! Là, il est rendu environ 4h30. Puis, je vais aller prendre ma douche. Puis là, ce que j'aurai besoin, ça va être mon shampoing mauve. Puis après ça, si vous savez sûrement, c'est des Groove Martin. Les produits que j'utilise tout le temps pour nettoyer le visage, pour m'exfolier le visage, c'est ces deux-là. Et bref, bref, bref. Après ça, je vais me faire un masque. Ça fait longtemps que je m'en suis pas fait un. Mais je l'ai fait comme deux fois semaine. Fait que là, je l'ai fait il y a comme 3-4 jours. Ouais, je l'ai fait vendredi. Puis là, on est mardi. Puis après ça, je viens masquer qu'il n'y a plus pantoute de mascara sur mes cils. Pour ceux qui ont écouté ma routine, c'est un peu redondant. Ça va m'en faire que ma routine du soir. Donc, je viens mettre mon joli.
ce soit mon masque, je vais le faire vraiment au niveau comme dans tout mon visage, sauf mon front. Mais c'est pas vrai, je pense que mon masque là, je l'ai fait vendredi, mais je l'ai fait aussi. Non, je l'ai pas fait vendredi, je l'ai fait dimanche. On est mardi. Donc, voici le résultat. Puis là, je vais m'habiller parce que ma serviette commence à tomber. Puis je voudrais pas être tout nu sur le tour. Là, en attendant que mon masque fasse effet, faut que j'attende 5 minutes. Ce que j'aime de ce masque là, c'est que justement, il est vraiment rapide. C'est pas comme les autres masques qui est comme, t'attends genre 15-20 minutes, c'est 5 minutes, c'est fini. Fait que là, en attendant, je vais placer mes produits pour pas, parce que où est-ce que je dors, c'est en haut, puis la salle de bain est en bas, puis après, de comme monter, descendre, monter, descendre mes produits à chaque jour, genre deux fois plus par jour, matin puis soir, mais comme, je vais les laisser dans la salle de bain. Par exemple, je sais pas si la place est en haut, je pense pas. Je vais pas montrer tous mes produits en détail parce que j'ai fait une vidéo sur ma routine du matin et ma routine du soir. Donc si ça vous intéresse de savoir quel produit que j'utilise puis plus en détail ce que je fais comme routine, vous pouvez aller le voir. Donc ce sérum là, c'est pour venir donner du volume et de la longueur à mes cils, parce que comme je me suis fait faire des extensions, j'ai vraiment gossé après puis je les arrachais. Donc ça va se craver un peu mes cils. J'avais perdu de la longueur et aussi du volume. Puis pour vrai, il marche vraiment ce produit-là. Acheté sur une pharmacie, il coûte vraiment cher par exemple. Je pense que c'est 64$, mais moi je l'ai eu un peu fait qu'il m'a coûté 50$. Mais genre après même pas 3 semaines, tu vois déjà la différence. Tu vois déjà que ça commence à pousser. Donc ça vaut cher, mais ça vaut vraiment la peine. Puis là-dedans, il y en a beaucoup. Là. Genre je le brosse, puis je sens qu'il y a beaucoup de produits. Donc terminé pour ça. Puis là, dernière étape, on va venir se brosser les dents. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allô tout le monde, là hier soir, j'ai pas fait de conclusion parce que j'étais tellement fatiguée. À 7h du soir, comme 2h après que je vous ai parlé, là, je suis partie me coucher. J'étais trop fatiguée, je me suis endormie. J'ai même pas soupé, j'étais morte, littéralement. Morte. Donc là, le vlog était pas super intéressant. J'ai juste montré mon organisation puis ma petite routine, même pas. Genre, je voulais même pas montrer ma routine en détail. C'est vraiment, je vous ai juste dit que j'allais me laver puis tout. Donc la vidéo, c'est pas la plus palpitante, je l'avoue. Puis en plus, je sais pas pourquoi, mais mon micro, il y avait comme un problème. Je sais pas si c'est l'endroit où j'ai mis mon appareil photo, parce que dès que je la mettais dans mes mains, ça faisait pas ce bruit là. En tout cas, je suis vraiment désolée pour le bruit là, c'est désagréable. Ça fait 2 heures que je fais le montage où je suis dans la salle de bain, puis je suis écœurée, je suis vraiment tannée d'entendre le bruit de fond. Fait que je me mets à votre place, puis je comprends si vous avez pas écouté le bout aussi. En tout cas, ça vous a vraiment tannée. Donc je voulais juste vous dire, vous faire la conclusion, vous dire qu'on se reparle demain pour un prochain vlog. Puis j'espère que vous avez quand même apprécié le petit vlog un peu moins intéressant. Donc demain, qui est aujourd'hui, j'ai filmé tout le village, parce que je vous avais dit que j'allais vous montrer de quoi ça avait l'air, parce que je trouvais ça vraiment beau. Puis finalement, ben ça a juste pas donné, j'étais trop fatiguée, puis on n'est pas allé dehors, mais j'ai mal au bras. Donc c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai été dans le village. On est comme sorti 4 fois dehors aujourd'hui.
Donc c'est ça, ça va être un peu plus intéressant, il va y avoir plus d'activités, je vais vous montrer plus de choses. Donc ça va être mieux pour le vlog de demain. Donc on se revoit demain pour le prochain vlog. Bye tout le monde!